Continue à chercher cette souris. C'est le dîner. Je suis en train de chercher, maman. Aïe, ça fait mal. Comme nous l'avons pratiqué, chérie. Un atterrissage parfait. Qui est-ce? Maman, arrête! Serveur, où sont nos boissons? Du sang. Mon préféré. Génial, de l'argent gratuit. Ne le mange pas. Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Ah, c'est tellement rafraîchissant. Je préfère quand ça provient directement de la source. Bonne idée. Non, ne faites pas ça. Waouh, c'est notre jour de chance. Waouh, c'est exactement ce qu'il nous faut. Partons d'ici. Maman, tu es là? Youhou! Il fait déjà nuit. Ah! Mon nez! C'était vraiment douloureux. Stupide cercueil. Vas-y, mollo, maman! J'en ferai du bois de chauffage. Ok, c'était intense. Je sais ce qu'il faut faire. Je vais utiliser ce petit gadget. Il maintient la porte du cercueil ouverte, comme ceci. Qu'en penses-tu, maman? C'est bien. Beau travail, chérie. Ce jeu est tellement bon! Je n'arrive pas à le lâcher. Waouh, j'adore! Non, ce n'est pas possible! Maman! Que s'est-il passé? Les lumières se sont éteintes et il fait tout noir! J'ai joué à mon jeu! Je vais y remédier. Attendez, j'ai un appel. Bonjour, j'ai besoin de votre aide. Il y a une urgence. Ça va vous coûter cher. C'est beaucoup de travail. Je suis prête à tout payer. J'ai touché le jackpot. C'est parti! Ah, c'est mieux! Et je peux finir mon jeu? Attends, c'est une plaisanterie? C'est tellement injuste! Qu'est-ce qu'il y a maintenant? Ne t'inquiète pas, ma chérie. Regarde ce que j'ai. On peut s'amuser à notre façon. Regarde ça. Je passerai mes mains dans les trous. Et j'essayerai de trouver les différentes parties du corps. Ensuite, je les collerai au tableau. Ça te tente? Ça a l'air sympa. Ok, c'est mon tour. C'est génial, maman! Oh, j'ai trouvé quelque chose! Je pense que ce sont les globes oculaires. Je vais te battre. Je pense que c'est tout ce qu'il y a à faire. Voyons ce qu'il en est. Ça a l'air idiot! Mon visage est encore pire! Je savais que ça te plairait. Ah, tu as vu ça? Oui! Cette émission est très drôle. Hein? On dirait une coupure de courant. Ça me donne une idée. C'est un peu effrayant. Moi, Un monstre! Un vampire qui a peur du noir? Où est-elle allée? Qu'est-ce que... Un chasseur de vampires? Restez en arrière! C'est juste moi, maman. Ne t'en fais pas, je faisais des ombres chinoises. Vraiment? Je le savais. Je n'ai pas eu peur. Peut-être juste un peu. Attends, ça me donne une idée. Tu vas adorer. Ça ne prendra pas longtemps. Une incision ici, une autre là. Waouh, c'est incroyable! C'est une œuvre d'art, maman! C'est un théâtre d'ombre et de marionnettes. Attends, ce n'est pas tout. Nous aurons besoin de la torche. Je la placerai derrière. Que le spectacle commence. Oh, un joli petit papillon. Qu'y a-t-il d'autre? Wouhou! Encore! J'adore! Maman, c'est toi qui fais ça? Faire quoi? Tu rates le spectacle. Non, ce n'est pas possible. Je ne sais pas qui fait ça. Ah! Maman, j'ai hâte. J'ai tellement faim. Qu'est-ce qui prend autant de temps? Où est le serveur? Voilà, madame. Bon appétit. Berk, qu'est-ce que c'est? Il n'est pas question que je mange ça. C'est la spécialité du chef. Je m'en fiche. Je suis un vampire. Oh, bien. Je reviens tout de suite. Dépêchez-vous! Voici la nourriture. Je suis sûre que ce sera très agréable. Oh, regarde ça. Berk, non! Fais quelque chose, maman! C'est incroyable! Et apportez à ma fille quelque chose de savoureux, ou bien... Eh bien, si vous le dites comme ça, ça va faire mal. Peut-être ceci vous plaira-t-il. Un œil tout mou. Bon appétit. Un œil? C'est mieux! C'est mon préféré. J'ai hâte de le goûter. C'est vraiment juteux. Délicieux. Vous pouvez partir maintenant? Vous le pensez vraiment? Merci. C'est pour vous. Vous l'avez mérité. C'était vraiment délicieux. Hé, maman, j'en veux encore un. Mais j'ai besoin de celui-ci. Oh!
Mon estomac gargouille. J'ai besoin de manger quelque chose. Et vite! Qu'avons-nous? Cette armoire est vide. Ah! C'est décevant. Ouh! Enfin! Ce n'est pas grand-chose, mais c'est un début. Attends, le réfrigérateur! Pourquoi n'y ai-je pas pensé plus tôt? Oh, ce n'est pas bon. Du pain rassis et des araignées. Je suppose qu'il faudra s'en contenter. La situation devient désespérée. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Ah! Une chauve-souris poilue! Attends, c'est juste toi, maman! Bonjour, j'ai été piégée là-dedans. Tu fais quoi? Je suis à la recherche d'un encas. Encore? Donne-moi ça. Je vais te préparer quelque chose. Je vais faire de la place. J'ai besoin de cette plaque. J'écrirai un message sur le pain, quelque chose de significatif. C'est parfait. Quelle est la prochaine étape? Ah, je sais. Je réduirai ce pain en miettes, ensuite je le recouvre de ketchup. Ça a l'air très bien. J'ajouterai une jolie petite chauve-souris. Et les araignées sont toujours amusantes. On n'a jamais assez d'insectes. Je savais que ces parties du corps seraient utiles. Et enfin, une pierre tombale. Maintenant, c'est un repas. Ça me donne faim. Qu'en penses-tu, ma chérie? Il a l'air délicieux. Trop bon. Je vais aussi goûter. Nous en avons déjà parlé. C'est comme ça. Ensuite, essaye avec les deux bras. Tu as compris, chérie. Essayons-le pour de vrai. Waouh! Elle donne l'impression que c'est facile. Tu es si pleine de grâce, maman. J'aimerais pouvoir voler comme ça. Waouh! Tu es incroyable! Je pourrais te regarder toute la journée. Oh, tu es trop gentille. Ok, c'est parti. Je peux le faire. D'un moment à l'autre. Faisons comme si rien ne s'était passé. Cette fois! Juste arrête ça. Je fais de mon mieux, maman. Encore une fois! Je sais ce qu'il faut faire. Oh, qu'est-ce que tu fais? Un peu de shopping. Waouh, c'était rapide. C'est trop génial! Ça t'aidera certainement. Waouh, c'est tellement beau! Mes premières ailes d'entraînement! Ma petite fille grandit. Waouh! Je deviens émotive. Wouhou! Je m'envole! Rien ne peut m'arrêter maintenant! Je me sens tellement vivante! Tu t'en sors très bien! C'est grâce à toi, maman! C'est ma fille! Waouh! Du calme, Pikachu! J'aimerais pouvoir voler! Une fille peut rêver! Ça va, ma chérie? Je veux voler! Je savais que ce jour viendrait! Monte sur la chaise, je vais t'apprendre! Bouge tes bras comme ceci! Je peux le faire! Tu dois te détendre! Aïe! Tu vas bien? Je ne suis plus aussi jeune qu'avant. Vas-y! J'arrive! Oh, j'aurais dû m'en douter. Aïe! J'ai atterri sur le visage. Au moins, ce n'était pas quelque chose d'important. Qu'allons-nous faire? Attends une seconde. Regarde ce vieux carton. Tu penses à la même chose que moi? Que je devrais aller aux urgences? Je t'ai fait des ailes. Voilà. Waouh! T'as fait ça pour moi? Elles t'aideront à voler. Essaye-les. Ça m'a fait très plaisir, maman. J'y arrive, maman. Je suis en train de voler. Wouhou! C'est le plus beau jour de ma vie. Waouh! Quelle vue! Elle grandit si vite. Elle me manque déjà. Il n'y a que toi et moi, Pikachu. Un milkshake au sang. Mon préféré. Aïe! Oh, je me suis coupé le doigt. Du sang frais. J'ai tellement faim. Il faut que je mange. Salut. Qu'est-ce que tu veux? Ne bouge pas. Non, ne m'approche pas. Je veux ma maman. Souriez. Tiens, un joli pansement. Et voilà. Ça va mieux? Qu'est-ce qui se passe? Ah, c'est l'heure de la pause. Quoi? Une chauve-souris? Où est-ce qu'il est? Really? Allez, dépêche-toi. Aïe. What? Quoi? Je crois que j'ai bu trop de café. Où est l'ail? Détendez-vous, nous avons juste besoin de votre aide. Nous allons avoir un bébé. Hein? Chérie, je crois que le bébé arrive. Qu'est-ce que c'est? Je ne me sens pas très bien. Que se passe-t-il? Oh, suivez-moi. Oh non, oh non!
Pas de panique, respirez. D'accord, ça a l'air facile. Je vais juste jeter un coup d'œil. C'est terrifiant. Oh. Docteur, vous m'entendez? C'est normal. Pas question que je m'approche de ça. Regardez. Alerte générale. Mais... Il faut que je prenne une photo. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Me demandez pas à moi, c'est vous le médecin. Calmez-vous. J'ai jamais vu un truc pareil. Il faut que vous m'aidiez. Ah! J'ai peur. Prenez-moi dans vos bras. Ah! Qu'est-ce qu'il s'est passé? Oh, regardez-moi ça. Ouf, je suis contente que ce soit fini. J'ai manqué quelque chose. Tu es papa. Incroyable. Bien joué, les gars. Dois-je dire que c'est un garçon, une fille ou une chauve-souris? Oh, tu as mes yeux. Je vais vendre ces photos. Je vais devenir riche. Oh, c'est pas vrai. Je n'ai jamais été aussi heureuse. Souriez. Je déteste aiguiser mes crocs. Ça me fait toujours bizarre. Mais bon, je suis bien obligée de le faire. Bouh! Je t'ai fait peur? Qu'est-ce que tu portes? Je me suis habillée toute seule. C'est chouette, non? Les vampires portent toujours du noir. Une seconde. C'est un diadème. Tout est dans les accessoires. C'est comme si tu n'avais rien vu. Je suis un vampire à 100%. Oh, c'est à moi d'en juger. Où est-ce que je suis? C'est l'épreuve la plus difficile que doivent passer les vampires. Oh non, j'ai pas révisé. Attends, c'est un miroir? Un vrai vampire déteste la lumière. Oh, éloigne ce truc de moi! Ah, je suis touchée! C'est assez marrant. Non, ça ne l'est pas. Essayons autre chose. Oh, d'accord. Regarde comme je fais léviter la feuille. Moi, je le contrôle avec mon esprit. C'est un pouvoir de vampire. Joli tour de magie. À toi de jouer. Je peux y arriver. Allez, vole! Ouh, j'y arrive. Regarde. Une petite seconde, comment tu fais? Je l'ai peut-être sous-estimé. Il ne faut pas qu'il voie le fil. Il n'est pas le seul à faire des tours de passe-passe. Il faut que j'ai l'air naturel. C'est bon? Ce n'est pas fini, regarde ça. Waouh, tu es à l'envers. Comment est-ce que tu fais pour ne pas avoir le vertige? Je suis un vampire, c'est tout à fait habituel. C'est ce que nous sommes. À toi maintenant. Tu veux que je fasse ça? Pas de problème, laisse-moi une minute. J'attends. En général, ça n'arrive jamais. Attends. Tu n'es pas un vampire. Et ça me met très en colère. Oh oh, c'est pas bon ça. Il n'y a qu'une seule solution. Qu'est-ce que... Oh! Ouf, heureusement que j'ai toujours de l'ail sur moi. À plus. C'est génial! Voilà, ici c'est ma chambre. Où est ton cercueil? Assieds-toi. Je reviens tout de suite. C'est un cauchemar. C'est tellement lumineux. Oh! Ne m'approche pas, sale bête. C'est ça, je te déconseille de te frotter à moi. Viens par là. Oh oh, elle arrive. J'espère que tu aimes les pommes. Merci. Tu veux que je la mange? C'est croquant. Oh oh, mon croc! Ah! C'est horrible! Ça fait trop mal! Je suis vraiment désolée! Pourquoi? Qu'est-ce que je t'ai fait? Fais quelque chose! Ne t'inquiète pas, je vais appeler le médecin. Allez! Allô? On a besoin de votre aide! Je ne me sens pas très bien. Oh, la lumière! Éteignez-la! Mes pouvoirs diminuent. Non, ne m'approchez pas! Ne me faites pas de mal! Hey, bonjour! Bonjour? Ouvrez grand, ça ne fait pas mal. Promis? Je sais ce que je fais. Tant mieux! Ah. Oh, j'ai changé d'avis! Ne soyez pas stupide! Et voilà! C'est terminé! Maintenant, on va nettoyer ces crocs. Ils vont être étincelants. Ça me semble une bonne idée. Non, tout, mais pas ça! Ne bougez pas! En fait, ça chatouille un peu.
Regardez ce cou, il est si juteux. Je dois résister, il a l'air délicieux. Waouh, faites-moi un sourire. Comme ça. Regardez vous-même. Oh, c'est pas mal. Vous êtes douée avec une brosse à dents. Ce serait dommage de les couvrir de sang. Je suis heureuse que ça vous plaise. Oh, mon repas gratuit s'en va. Revenez. Encore un client satisfait. Qu'est-ce qu'il y a encore? Je veux boire votre sang. Hé, hey, comment ça se passe ici? Salut, on vient juste de terminer. Ça fait très mal. Oh non, mes dents. C'est tellement embarrassant. Quelle journée! Je suis contente d'être à la maison. Les vampires n'ont pas une minute à eux. Psst. Joyeux anniversaire! Wouh! Quoi? Vous en êtes souvenu? Évidemment! Vous n'auriez pas dû vous donner tout ce mal. Je suis sérieux, très sérieux. Wouh! Je déteste ça. J'adore cette chanson. Regardez comme je danse bien. C'est trop cool. Tu m'as acheté un gâteau. Fais un vœu. La lumière du soleil. Oh, oh, oh. On a peut-être fait une bêtise. Peu importe. Il était ennuyeux de toute façon. On peut encore s'amuser. Je ne me souvenais pas qu'il faisait si sombre ici. Je dois juste prendre quelques trucs et ensuite je me tire de là. Y a quelqu'un? Je crois que j'ai bu trop de café. Ah! En aide! Ce vampire est étrangement petit. Et cette plaie est incroyablement gros. Ah, il s'enfuit en permanence. Ah! Un vampire à terre! Hé! Tu vas partager cette merveille? Si tu veux. Ce truc me dérange. J'avais vraiment très soif. Je vois. Mais ces deux-là ne sont pas seuls. Des vampires. Ça fait peur, non? C'est sûr que c'est du sang. Je vais les avoir. Je me rapproche. Je le savais. Du bon sang bien chaud. Vous êtes faits comme des rats. Il ne me reste qu'une seule chose à faire. Non! S'il vous plaît! Ce n'est pas du sang. C'est du jus de grenade, vous voyez? Vous jugez vraiment trop vite, les humains. Vous croyez que vous me faites peur, hein? Regarde-moi ce petit truc. Ok, on va réessayer. Tout rebondit sur elle. Il me reste un pieu. Oh non, pas moi. Ce truc a l'air énorme d'ici. Ah. Oh. Oh là là, il s'est bien visé. Oh non, c'était mon dernier. Mais je ne fais que commencer. Je ne crois pas, non. À plus tard. Allez-y, entrez. Suivant. Allez, continuez d'avancer. Ah, cette queue. Tiens-moi ça. Je vais les faire fuir pour ne pas avoir à attendre. Ah oui. Prépare-toi, il va y avoir des cris. Hein? Oh, trop mignon ce petit garçon vampire. Mais je bois du sang. Les humains sont méchants. Fais leur peur, toi. Vas-y. Je vais te montrer comment t'y prendre. Un vampire! Vite, courez! J'ai soif de votre sang. Et voilà comment on se retrouve assis au premier rang pour voir le film. Ne nous fais pas de mal. Allons-y. Ça a fonctionné à merveille. Vous êtes trop mignon quand vous avez peur. Oh,
ça fait beaucoup de sang. Ne regarde pas derrière cette porte. Pourquoi est-ce que j'ai choisi de regarder un film d'horreur? Ah! Je ne m'attendais pas à avoir de la visite. C'est bon, je suis armée, ils peuvent venir. Je vais suspendre ça à la porte. Tout simplement, aucun vampire ne rentre ici. Ah! Chut! Tu veux qu'elle nous entende? C'est bon, elle est distraite. Regarde-moi cette chair fraîche. J'ai hâte de croquer dedans. J'arrive! Attends-moi! De l'ail? Bon, tu viens? Oh, j'ai évité ce piège. Tu vas m'entendre. Dans ce cas, ça va faire plus de sang pour moi. Elle ne se doute même pas que je suis là. Hein? Il y a d'autres gousses d'ail? Il faut que je sorte d'ici! Cette astuce fonctionne vraiment bien. Il faut que j'achète plus de ces trucs. Aïe! Ces crânes humains font vraiment mal. Reste gentil, monsieur. Toi et ton obsession pour les humains. Je préfère largement faire les magasins. Oh, celui-là est juste parfait. Maintenant, on attend. Il est déjà là? Je reviens. J'arrive. Ça va être bien. Il est encore plus grand que j'imaginais. Oh, c'est très lourd. Ah, allez. Bon, j'y suis presque. Regarde-moi ce truc. Il a même des toiles d'araignée et tout. J'ai l'impression que c'est mon anniversaire. Je pense qu'il y a quoi à l'intérieur? On va voir ça. Oh! Il y a tellement de place. Il est tapi d'une soie de grande qualité. Ce n'est pas rien. Dis donc! Tu penses que je peux rentrer à l'intérieur moi aussi? S'il te plaît. Oh, qu'il est mignon. Tu peux y aller pendant quelques secondes. Waouh, c'est trop bien. Il fait si sombre à l'intérieur. Les arbres sont morts comme moi. Cet endroit est incroyable. Ça fait 1000 ans que je ne suis pas allée à une soirée. Mais je sais encore danser. Contrôle de la taille. Je suis bien grande, vous voyez. Ça passe. Amusez-vous bien. À toi, mon petit gars. Je suis avec elle. Non. Mesure-toi. Je ne serai jamais si petit. Alors? Non. Trop petit. Pas possible. Tu peux t'en aller. Ils ne veulent pas me laisser rentrer. Dans ce cas, je vais prendre les choses en main. Grâce à ça, je devrais être assez grand. Il faut juste que j'enlève cette chaussette et que je l'enroule pour la mettre dans la chaussure. Comme ça. Ça devrait me faire gagner quelques centimètres. Sympa. Ouais, ça me paraît bien. Je peux réessayer de passer maintenant. Alors, c'est assez grand. Oui, je savais que ça allait marcher. On peut faire la fête. C'était un peu bizarre. Hé, hey, qui m'a laissé un cadeau? Chloé? Sûrement pas. Alors? Des chauves-souris! Ce sont des chauves-souris! Comment lève ces trucs de sur moi? Qui ferait un truc pareil? Là, je ne vois pas qui ça pourrait être d'autre que toi. Cette blague a vraiment bien fonctionné.
Elle veut jouer, on va jouer. Je dois juste maquiller tout mon visage de blanc. Même les sourcils. Et ensuite, toutes les lignes dessinées, comme la ligne des cheveux. Heureusement, mes cheveux sont déjà noirs. Et voilà, des sourcils broussailleux pour aller avec. Ensuite, on passe aux yeux. La couleur rouge donne l'impression qu'ils sont enfoncés. Ensuite, le noir aide à donner un air encore plus fatigué. Bonjour, les petites rides. Ça fait des siècles que je vis, pas vrai? Alors il me faut vraiment plus de marque du temps. Tu peux aussi utiliser du violet pour marquer encore plus les traits. Hé, on y est presque. Le détail qui change tout, des joues creusées. Et peut-être une fossette au menton. Il ne doit rester aucun centimètre de peau rose. Plus il y a de noir, mieux c'est. L'étape suivante, les dents. Et elles viennent juste de goûter à la chair fraîche. Ne t'inquiète pas, ce n'est que du maquillage. Dites bonjour au roi des vampires. On se voit en cours de maths? Hey, qui a éteint les lumières? Je ne vois personne. Qu'est-ce qui cloche avec ce truc? Pas important. C'est sûrement une coupure de courant. C'était quoi ça? Hey, qui est là? C'est un mot? Un peu bizarre. Là, je commence à m'inquiéter. Je devrais le lire? Je ne sais même pas pour qui il est. On dirait une carte. Tourne-toi. Oh oh. Il y a quelqu'un? Oh mon Dieu. C'est... Je m'appelle Dracula, chérie. Boum. Ça valait le coup de regarder tous ces tutoriels de maquillage. Ah, une nouvelle soirée film. Dommage que ce soit chez Brian. Il n'arrête pas de parler. Je vais monter le son. Je t'entends toujours. Allez. Je ne peux pas monter plus fort. Oh, on dirait qu'il est temps de refaire un plein. DRB. Ça veut dire « je reviens » en anglais. J'espère qu'il ne reviendra jamais. Est-ce qu'il s'estère parfois? Je connais une manière de lui clouer le bec. Clouer, c'est ça! Utilise tes dents pour me mordre. Ah oui? Non! Pas pour de vrai. Oh! Oui! Oui! Sur une feuille de papier cuisson, dessine une étoile avec un pistolet à colle. En fait, fais-en deux. Maintenant, laisse-les sécher. Utilise de la colle spéciale pour maquillage et colle l'étoile sur ta peau. Utilise une éponge à maquillage pour faire fondre l'étoile avec ta peau. Remplis le centre avec de l'eyeliner noir. Ensuite, mets un peu de maquillage rouge au-dessus. Un peu de faux sang donnera vraiment l'impression que c'est vrai. Utilise un liner rouge pour faire des points autour des morsures. On dirait vraiment que le sang a éclaboussé. J'ai trouvé de la nourriture. Quoi? David? Chloé fait vraiment ce que je vois? Je pars vite de là. Ça a carrément marché. Ah, bien joué. Oh, regardez-moi ces deux tourtereaux. Qu'est-ce que t'as sur les genoux? Pour moi? Qu'est-ce que c'est? Merci. Moi aussi, j'ai quelque chose pour toi.
Tu t'es souvenu de notre anniversaire? T'es sérieux? C'est censé être drôle? Oh, je ferais mieux de répondre. Sauvé par le gong. Il veut m'offrir de l'ail? Moi aussi, je peux entrer dans son jeu. Prends une tête d'ail et plante une brochette dedans. Ensuite, fais fondre du chocolat dans un bol. Voilà, plonge bien l'ail dans le chocolat. On ne dirait plus que c'est de l'ail, pas vrai? Serveur, vous pouvez revenir nous servir ça, s'il vous plaît? Pardon, c'était le travail. Vos chocolats, monsieur? Ce ne sont pas les miens. Mais je ne dirais pas non à du chocolat gratuit. Bien, c'est parti. Juste une grande bouchée. C'est de l'ail? Oh, j'ai besoin d'eau, tout de suite. C'est le goût le plus horrible du monde. Joyeux anniversaire, chérie. Vous ne faisiez pas vraiment partie de l'action. Oh, je vais aller chercher votre addition. Oh, salut Marianne. Il veut qu'on se retrouve au café? Je ferais mieux de m'habiller dans ce cas. Une veste en cuir? Je suis sûre que ça me va bien. Oh, j'avais oublié, je ne me vois pas dans le miroir. Ça craint vraiment d'être un vampire parfois. Si seulement j'étais un peu plus humaine. Hé, hey David, dis-moi, je suis comment? Ça va. C'est vrai. Mais je veux être mignonne pour mon rencard. Il te faut peut-être un peu de maquillage. Tu veux me maquiller? D'accord. Tu n'en as pas mis assez. Oh oui, c'est beaucoup mieux. Ça, c'est ce que j'appelle sublime. Bon, il n'y a vraiment pas de quoi. Amuse-toi bien. Où est-ce qu'elle est? Oups. Personne n'a rien vu, j'espère. Reviens là. Ah! Salut, Brian. C'est moi. Chloé? Je vois bien ça. Désolé d'être en retard. Wow. C'est vraiment Chloé, hein? Alors? Oh, désolé, j'arrive. Oh, d'accord. Il est en train de me poser un lapin. J'ai quelque chose dans les dents. Je veux me voir. Oh. Oh. Ce n'est pas parce qu'ils sont immortels que les vampires vivent sans problème. Quelle est ton astuce préférée? Fais-le nous savoir dans les commentaires. N'oublie pas de partager cette vidéo avec tes amis et de t'abonner à notre chaîne pour d'autres superbes vidéos comme celle-ci.